persévère, car sa parole, elle s'accomplira. Si dans ton cœur est réelle cette promesse, quand vient le doute, lève-toi et confesse que Dieu est vrai et que sa parole demeure éternelle. Oh, oh, oh. Car ce qu'il promet, mon frère, ma soeur, n'est jamais vain. Toujours fidèle et son chemin certain, même si les choses semblent n'aboutir à rien. Persévère, oh, oh, oh. Bénédiction que le Seigneur a pour toi. En ce dimanche de célébration qui marque notre deuxième année de parcours, c'est mon honneur et mon privilège de recevoir sur cet autel pour nous apporter la parole de vie, la pensée de Dieu, le docteur Paul. Et comme moi, bon, pendant qu'il nous apporte la parole de Dieu. Acclame très très fort le Seigneur, il est dit. Oh, j'apprends à écouter. À écouter la voix. La voix du bon berger. Quand je l'entends, je comprends. Oh, je comprends. Qu'il a payé. Payé pour ma libre. Quand je trouve mon cœur, quand je trouve mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je trouve mon cœur, je t'entends me parler ta loi. J'aimerais que tu puisses lever ta main ce matin. Je ne connais pas tes attentes. J'aimerais que la chorale puisse me suivre en background, c'est-à-dire en bas, pendant tout l'enseignement. Oh Père, ouvre les écluses des cieux. Quand je me suis arrêté ici le premier jour, j'ai dit il va pleuvoir en Côte d'Ivoire. And it is raining outside. Et il pleut présentement. I am told it's about a month. Rain has not fallen, but the Lord told me I will give you a sign. I will send rain. C'est vrai qu'on m'a dit que c'est le mois où la pluie tombe, mais le Seigneur m'a dit que je vais te donner un signe. Rain has not fallen for about a month. Ah, le mois, pardon, il y a fait un mois que la pluie n'est pas tombée, mais Dieu m'a donné un signe. He said I will give you a sign. Il dit je te donnerai un signe. This morning I have three assignments. Et ce matin j'ai trois devoirs principaux. An apostolic assignment to shift your nation. J'ai un devoir apostolique. To shift your nation. Afin de changer, bouleverser votre nation. I have a prophetic insight. Non, il y a aussi cet aspect prophétique. That I will deposit on some people. Et que je vais déposer littéralement dans la vie des gens. And I want to teach this morning. Et je vais aussi enseigner ce matin. Somebody is going to pray for me for Joshua's anointing. Que je veux que quelqu'un puisse prier pour moi pour que l'onction de Josué so soit sur moi. We can stop the time. Pour qu'il puisse arrêter le temps. You didn't hear what I just said. Vous n'avez pas entendu ce que j'ai dit. Amen. Amen. Father, we bless you this morning. Père, nous te bénissons ce matin. Have your way. Que ton chemin suive.
Let your counsel, que ton conseil, your counsel alone, ton conseil seul, be heard this morning, puisse prévaloir ce matin. As you told me, you will give me a sign. Alors que tu m'as dit que tu me donnerais un signe. I announced it to your people. Que je devrais annoncer à ton peuple. I have announced it to your people. Je l'ai annoncé à ton peuple. And you have accomplished it. Et tu l'as accompli. Therefore, every word they will hear this morning, dès lors, toute parole qu'ils vont entendre ce shall matin, be an accomplishment in their lives. Il y aura un accomplissement dans leur vie. There shall be a manifestation. Il y aura une manifestation. There shall be results in their marriages. Il y aura un résultat dans leur mariage. In their families, dans leur famille, in their businesses, dans leur business, in their callings, dans their leur careers, appel, dans leur carrière. I decree Côte d'Ivoire will never remain the same. Je décrète que la Côte d'Ivoire ne demeurera pas in the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. Your counsel is forever established. Oh, ton conseil a prévaloir pour toujours. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. I want us to read a scripture this morning. Je vais donc lire une écriture ce matin. It seems very small but too dense inside. C'est peut-être petit mais c'est dense à l'intérieur. Matthew chapter 10. Matthieu chapitre 10. Verse number 16. À partir du verset 16. I'm talking to you on how to take over territories. Je vous parle de comment posséder ces territoires. How to take over Côte d'Ivoire. Comment posséder la Côte d'Ivoire. Take over Abidjan. Comment prendre Abidjan. Take over Africa. Comment prendre l'Afrique. My assignment is an apostolic one. Alors mon devoir ici est un devoir apostolique. I have a local church. J'ai une église locale. But my wife is more of the pastor. Ma femme est l'une des pasteurs. No, is more of the pastor than I am. Ma femme est plus pasteur que je le suis. I am called more to raise a people for God. Alors moi je suis plus appelé à susciter un peuple pour Dieu. This morning God have sent me to serve you in that capacity. Alors ce matin Dieu m'a envoyé pour vous servir dans cette capacité. Are you hearing what I'm saying? Amen. Can you read verse 16? Verset 16. Mm-hmm. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu no, des loups. Read it in the spirit of this conference. Okay. See, I say. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Every word there is important. I send you. Chaque mot est important. Il dit, je vous envoie. First of all, say see. Premièrement, il a dit voici. In other words, no, see. Il dit vois. Yes. In other words, he is painting a picture. Donc, en d'autres termes, il est en train de donner une image. Which you must take note. De ce que vous devez prendre note. For you to obey the instruction. Afin que vous puissiez obéir à l'instruction. See, vois, or behold, I send you. Ou alors, voici, je t'envoie. Read. Alors il dit, voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. As sheep in the midst of wolves. Donc comme des brebis au milieu des loups. Now he says, be ye wise. Soyez donc prudents. As serpents. Comme des serpents. And harmless as doves. Et simple comme des colombes. Father, give us the waters to drink. Oh Père, donne-nous l'eau pour boire. Release, oh God. Oh, relâche. So that after now, après que, we après can also release the waters to the nous nations. Nous puissions aussi relâcher l'eau pour la nation. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. Amen. Somebody sit down. Quelqu'un s'assoit. Please, this the CDs I brought. S'il vous plaît, les CD que j'ai apportés. Each of them minimum has about 16 messages. Alors chaque CD a au minimum 16 messages. Some 21 messages. Quelques-uns ont 21 messages. So buy it, get it for your good. Alors achetez-le, c'est bon pour vous. Listen to it, change your life. Écoutez ce message, cela changera votre vie. And I feel like God wants somebody to receive this morning. Et je sens que quelqu'un doit le recevoir gratuitement ce matin. The Lord bless you. Que Dieu te bénisse. So this morning, alors ce matin, I feel your cry. Je sens votre cri. I'm telling Pastor Rusty, drop the price down at 5,000. I thought you should be happy. They are not happy. You want me to withdraw back the price? Tu n'as pas compris? No. The price has been dropped to 5,000. All donc, the CDs, all the pack. Donc tous les prix au niveau des CD, on les réduit à 5,000 francs CFA. Tous les CD à 5,000. So if you don't get it now, I can't help you. Donc vraiment, si vous ne l'obtenez pas maintenant, on ne peut pas vous aider. So Jesus says. Alors donc Jésus a dit. See, behold, I send you forth. Il dit, voyez, voici, je vous envoie. I send you forth. Je vous envoie devant. I am not keeping you. Je ne vous garde pas.
I am sending you forth. Je vous envoie. The church, l'église, is the place est un lieu where God trains and powers us, où Dieu nous cadre et nous en donne la puissance, to send us forth, pour nous envoyer, not to keep us, pas pour nous garder, no, to keep us, pas pour nous garder par devant lui. You are called to be sent forth. Tu es appelé pour être envoyé. Not to be kept. Pas pour être littéralement gardé. The church is not your destination. L'église n'est pas ta destination. The world is the destination. Le monde est la destination. That's why the kingdom is bigger than the church. C'est pourquoi le royaume est plus grand que l'église. You need to understand. Vous avez besoin de comprendre. The church is very important. Que l'église est très importante. Jesus spoke about the church only twice. Jésus a parlé de l'église seulement deux fois. The church is very important. L'église est très importante. But Jesus spoke about the church only twice. Malgré cela, Jésus a parlé de l'église seulement deux fois. He spoke about the kingdom more than 103 times. Il a parlé du royaume plus de 103 fois. Do the mathematics, which one is more important? Regardez, faites la mathématique. Qu'est-ce qui est plus important? The kingdom of God. Le royaume de Dieu. I try to show you there's a difference between the kingdom of God and the kingdom of heaven. Je vous ai déjà montré la différence. J'essaie de vous montrer la différence qu'il y a entre le royaume de Dieu et le royaume des cieux. God is the king of the kingdom of God. Alors Dieu est le roi du royaume de Dieu. And Jesus is a king of the kingdom of heaven. Et Jésus est le roi du royaume des cieux. I don't just have time. I will give you scriptures. Alors je n'ai pas le temps, sinon j'allais vous donner des écritures pour soutenir cela. Because everything I say, I have done research on it. Parce que tout ce que je dis, j'ai fait des recherches là-dessus. Does somebody follow what I'm saying? Est-ce que quelqu'un suit ce que je dis? Listen to me. Écoutez-moi. Jesus says, go. Jésus dit, allez-y. He says to them, il leur a dit, I have empowered you. Il leur a donné la puissance. Freely you have received. Alors vous avez reçu. Freely you give. Gratuitement. Receive this anointing. Vous allez recevoir cette grâce. Receive this grace. Donnez gratuitement. Go and announce the kingdom. Recevoir cette grâce. Allez annoncer le royaume. Go and announce the kingdom. Allez annoncer le royaume. The Bible says. La Bible dit. He said to them, heal the sick. Il dit, guérissez les malades. Cast out devils. Chassez les démons. He says, go. Heal the sick and tell them the kingdom is here. Et il a dit, allez, guérissez les malades et dites que le royaume de Dieu est proche. Preach healing. Il n'a pas dit prêcher la guérison. He says, heal the sick. Il dit guérissez les malades. Preach the kingdom. Mais prêchez le royaume. We don't preach healing. On ne prêche pas la guérison. It is a bread for those in the kingdom. C'est un pain quotidien pour ceux qui sont dans le royaume. Oh. You know the problem with the church. Vous savez le problème avec l'église? Is that because it is working? Parce que à cause du fait que ça travaille. No, ça marche. Ça marche. It is difficult to combat it. C'est difficile de le combattre. Because what the bishop or the archbishop or the pope is saying is working. Parce que ce que le archbishop, le pape dit, ça marche. Man of God. De Dieu. It becomes like it is divine ornament. Parce que c'est l'ordre divin. No, it's as if. C'est comme si c'était un ordre, un décret divin. So you come to challenge it. Alors donc tu dois le challenger. They tell you. On te dit. This thing has been here since. On dit ça là, ça existe. Our bishop preached it to us. Donc on peut pas le prêcher à nous ici. No, our bishop preached it to même us. Même notre bishop l'a prêché ici. Our father. Notre told père. Us. No, it's not about your father. Ce n'est, il s'agit pas de ton père. It's about scriptures. Si, il s'agit de l'écriture. Which cannot be broken. Qui ne peut pas être brisé. Sometime later. Qui ne peut pas être brisé même your plus tard. Your father shall be wrong. Même ton père va se rendre compte. The word of God cannot be broken. La parole de Dieu ne peut même pas changer, ne peut pas être brisée. We don't castigate stones. Vous savez, on ne jette pas les pierres. To our fathers. Sur nos pères. To tell them you didn't teach us right. Que pour leur dire que non, tu n'as pas bien enseigné. No, we are just discovering it. Parce que on découvre juste. We are just discovering it. On découvre tout juste. And we want to move further. Et nous voulons avancer. You know. Vous savez. If the church of Paul, the Berean Christians were today. Si vous étiez dans l'église de Paul, particulièrement celle de Béré, semblable à celle d'aujourd'hui. We will say it is a rebellious church. Et si on faisait comme les chrétiens de Béret, on dirait qu'on allait traiter comme des chrétiens rebelles. You know why? They will accept the anointing of the man of God. Ils vont tout juste accepter l'onction de l'homme de Dieu. But they will question what the man of God is saying. Mais ils vont questionner ce que l'homme de Dieu dit.
They say, man of God, we respect your anointing. On dit, homme de Dieu, on respecte ton onction. But what you just said, mais ce que tu as dit là, we need to verify in the light of scriptures. On a besoin de le vérifier à la lumière de l'écriture. Today, aujourd'hui, we don't have Berean Christians. On n'a pas des chrétiens bérés. Whatever the pastor say, tout ce que le pasteur dit, eat snake. Mange le serpent. Mange le serpent. They eat the snake. Ils mangent le serpent. They don't ask questions. Et on ne pose pas des questions. Sleep with me. Faut coucher avec moi. They don't ask questions. Ils posent pas des questions. Because the pastor says. Parce que le pasteur a dit. To the pew, all things are pew. Parce qu'il dit tout est possible. Non. Pour les pu, tout est pu. Tout est pu, voilà. You sleep with your pastor. Tu couches avec ton pasteur. I don't want to be angry. But listen. Écoutez-moi. In a church of 100 people, statistics says. Dans une église de 100 personnes, les statistiques disent about 5 sisters que 5 sœurs wants to sleep with their pastor. 5 sœurs veulent coucher avec le pasteur. 5. Statistics was done in 10,000 churches. Et les statistiques ont été faites dans 10,000 églises. 65% 65% of women in the church married single. Que ce soit des femmes mariées, des femmes célibataires. If they ask them to sleep with their pastor, they will not think about it. Si on leur demande de coucher avec le pasteur, elles vont pas réfléchir par deux fois. That is the kind of church we have today. C'est le genre d'église qu'on a aujourd'hui. So even when the pastor does not want to fall, et même si le pasteur, c'est vrai que le pasteur ne veut pas tomber. Ne veut pas tomber. Il ne veut pas tomber. Il y a les coups. Do you see how they enter church? Mama, open your eyes, oh. Mama, ouvre tes yeux. You feel what I'm saying? I am speaking to you, but listen. You will see they come like that and they are laughing. Tu vois des filles qui se déhanchent, comme ça. They are holy, oh. Elles sont saintes. I was in South Africa, man of God. Et nous sommes toujours en Afrique. I was in South Africa. J'étais en Afrique du Sud. And the pastor, the mother, asked his daughters, "Why are you not married?" Le pasteur a demandé à sa fille, mais pourquoi tu n'es pas marié encore? No, to his church. One of them stood up and said, "When you have taken the most handsome man in the church, what do you want?" Le pasteur a demandé aux filles de l'église, mais pourquoi vous n'êtes pas encore marié? Et les gens ont répondu, mais si vous avez déjà pris tous les jolis garçons dans l'église, qu'est-ce que vous voulez qu'on nous marie? So that means you don't see any brother except for my husband. Donc la femme a dit, tant vous ne voyez personne à part mon mari. And then she said to them, et elle a dit, "I will squeeze him for 100 years." J'ai été, I will squeeze him. Je vais écraser, réduire. I will like orange. I will suck him presser. Out. Je vais presser. For 100 years. Pour 100 ans. After 100 years. Pour 100 ans. If you need him, si vous, I will give it to you. Je vais le presser pour 100 ans. Si vous avez besoin de lui, je vais vous le donner. So don't get married. Donc ne vous mariez pas. The church now. L'église aujourd'hui. I salute you, sir, for your gospel. I salute you. C'est pourquoi je vous salue pour l'évangile. We need order in the church. On a besoin d'ordre dans l'église. Hello. Hi. Don't get angry with me, oh. Ne soyez pas fâché avec moi, oh. Please. S'il vous plaît. I just like order. Parce que j'aime seulement l'ordre. It's an apostolic mantle. C'est un manteau apostolique. Have you understand? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? So that even if you were a sister having that desire. Today you have your deliverance. Alors même si tu étais une sœur qui avait ce désir là, aujourd'hui tu as ta délivrance. I say you have your deliverance. Je dis tu as ta délivrance aujourd'hui. If you don't say amen, you are a suspect. Si tu ne dis pas amen, c'est que tu es suspect. Can you say amen? I know you will love me. I know you will love je me. Je sais que vous allez m'aimer. Vous allez m'aimer. Amen. Amen. That's just to say we need to be careful. C'est tout juste pour dire qu'on a besoin de faire attention. Number two. Deuxièmement. Jesus says. Jésus a dit. I send you to go forth. Je vous envoie. As a sheep. En tant que agneau. Baby. Amongst wolves. Baby au milieu des now, loups. Let's do a simple statistics. Alors faisons des statistiques. What do wolves eat? Qu'est-ce que les loups mangent? Qu'est-ce que les loups mangent? Sheep, right? Ils mangent des brebis. So if a sheep comes amongst the wolves. Alors si une brebis vient au milieu des loups, the wolves will dance. Oh. Les loups vont commencer à faire une fête. My God is good. Why? Pourquoi?
God have sent manna from heaven. Parce que Dieu a amené la manne du ciel. So Jesus must be very dangerous. Alors donc Jésus vraiment il doit être dangereux ce Jésus. How do you say I send you as a sheep amongst wolves? Comment tu peux nous dire je vous envoie comme des brebis au milieu des loups? That is why the church is afraid to go into the world. C'est pourquoi d'ailleurs l'église a peur d'aller dans le monde. I send you a sheep amongst wolves. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. So the challenge is this. Donc le défi est ceci. Why does God send us as sheep amongst wolves? Pourquoi Dieu nous envoie comme des brebis au milieu des loups? If you are going to be a sheep, si vous allez être une brebis, amongst wolves, you need to stay alive to do your mission. Si vous devez être une brebis au milieu des loups, vous devez être en vie pour faire votre mission. Are we together? Amen. Now the question I want to ask. Je vais poser une question. How do you stay alive amongst the sheep? Comment restez-vous en vie au milieu des loups? Simple wisdom. A simple wisdom. Alors, une sagesse simple. Follow me. Come. Jésus a dit. I send you as sheep amongst wolves. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. But, mais, be wise. Soyez sage. As a serpent. Comme les serpents. That is the key. Ça c'est une clé. What is the wisdom of the serpent? Quelle est la sagesse d'un serpent? We will look at it in few minutes. On va le voir tout à l'heure. If I send as sheep amongst wolves, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. It means, ça veut dire, when you get amongst the wolves, quand vous êtes au milieu des brebis, to stay alive, quand vous êtes au milieu des loups, the wolf will not know that you are a sheep. Alors quand vous êtes au milieu des loups, les loups ne sauront pas que vous êtes des brebis. Hello. Hi. How would that happen? Comment cela se fera-t-il? Number one. Un. You are going to sow a wolf clothing. Tu vas semer. Non, you are going to sow. Tu vas coudre. Tu vas coudre un vêtement de loup. You are going to sow a wolf clothing. Tu vas coudre un vêtement de loup. So that when you are amongst the wolves, afin que quand tu es au milieu des loups, they think il est parmi nous. Ils vont penser they think que you are one of them. Ils vont penser que tu es l'un d'entre eux. Because it is the same wisdom. Parce que c'est la même sagesse. That the world is using to infiltrate the church. C'est la même sagesse que le monde utilise pour infiltrer l'église. The Bible says there are many wolves. La Bible dit il y a beaucoup de loups amongst you. Et de vous. Entered in sheep clothing. Parce qu'il rentre dans l'église avec un vêtement de brebis. Aïe, des bosses. The Bible says the children of this world. La Bible dit que les enfants de ce monde. They understand how this thing functions. Parce qu'ils comprennent comment les choses fonctionnent. So they entered amongst us. Donc ils viennent au milieu de nous. They didn't speak in tongues. Rebecca Bado. Ils n'ont pas la langue. You pas la think langue. They are sheep? Et when they are actually wolves. Vous pensez que c'est des brebis alors que en fait ce sont des loups. Jesus says. Jésus dit. I send you. Je vous envoie as sheep. Comme des brebis. Amongst the wolves. Au milieu des loups. Be wise. Soyez sage. Seven reasons why you must sew the wolf clothing. Sept raisons pour lesquelles vous devez coudre un vêtement. Number one, to conform in the environment. Afin de vous conformer à l'environnement. You know. Vous savez. Is this your uniform for the church today? C'est l'uniforme de l'église, non? Ça non, papa. Okay. If somebody sews this dress and come. Si quelqu'un a cousu ce vêtement et est venu. Do you know you will not know that this person is not from God's family? Est-ce que vous ne savez pas que la personne est de God's family? Why? Pourquoi? He just sews the dress. Parce qu'il a porté le vêtement. He's inside. Il est à l'intérieur. And we call him frère. Comment ça va? Et on lui dit you frère. You will not even look at his face. Tu peux même pas regarder son visage. Why? Pourquoi? You see the dress. Parce que tu vois le vêtement. You just put him amongst the number. Et tu le mets parmi les nombres. That's the reason why you must sew wolf clothing. Number two. Deuxième raison. Thank you, Papa. To stay alive in the environment. Rester en vie dans l'environnement. If Jesus says, si Jésus dit, I am sending you amongst wolves. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. That means your identity must be concealed. Ça veut dire que votre identité doit être conçue. When you carry your big Bible, quand vous transportez votre grosse Bible, and you're entering your office, et vous rentrez au bureau, I am a child of God. Je suis un enfant de Dieu. You have just exposed yourself. Vous exposez. I know church have told you. Et je sais que l'église vous a dit. You don't have to hide your identity. Vous n'avez pas caché votre identité. I am not ashamed of the gospel of Christ. Ne soyez pas, on n'avait pas honte de l'évangile de Christ. It's stupidity. Et c'est une stupidité. You know why? Vous savez pourquoi? Amongst the Jews, au milieu des Juifs, you behave like a Jew. Tu te conduis comme un Juif. Amongst the Gentiles, au milieu des you Gentiles, you behave like a Gentile. Tu te conduis comme les Gentils. The pastor of Esther, le pasteur d'Esther, Mordecai,
Mardochée. Tell Esther. A dit à Esther. As you go inside. Pendant que tu vas à l'intérieur. Make sure nobody's. Make sure nobody. Rassure-toi que personne knows you are a Jew. Rassure-toi que personne sait que tu es un juif. How will she be praying in the palace? Alors comment est-ce que tu vas dans un palais? And how will she be praying in the palace? Alors comment est-ce qu'elle peut apparaître dans un palais? How will she be praying? Alors comment est-ce qu'elle peut être levée dans un palais? Comment elle sera en train de prier? Comment peut-elle prier dans un palais? Are you from what I'm saying? Don't worry, my brother. The Lord bless you. How will she be praying? Comment peut-elle prier? And people don't notice. Et les gens ne noteront pas, le remarqueront pas. That she is a Jew. Qu'elle est une juive. That means when the hour of prayer comes. Cela veut dire que lorsque l'heure de la prière arrive, she tells them, I want to go to the toilet. Elle leur dit, je vais aux toilettes. And she enters the toilet. Et elle entre dans les toilettes. When she finishes, lorsqu'elle finit, then she comes out. Elle sort. And she smiles. Et elle rit. You know why they persecute some of you at your job site? Vous savez ce qui est fait? Why they persecute some of you at your job site? Lorsque la persécution arrive à son lieu de travail. Because you have exposed your identity. Vous êtes persécuté parce que vous avez exposé votre identité. Don't worry. Let's go. Ne vous en faites pas. On va progresser. Number three. Troisièmement. You saw the wolf clothing. Vous portez un vêtement de loup. So as to be accepted as one of them. Afin d'être accepté comme l'un d'eux. Nobody will accept you. Personne ne vous acceptera. If you are indifferent. Si vous êtes différent. If you are different from among si them. Si vous êtes différent d'eux. I know your scriptures. Je connais vos écritures. Stay out from amongst them. Mettez-vous loin d'eux. Touch not the unclean thing. Ne touchez pas ce qui est impur. And I will be your God. Je vous toucherai, je serai votre Dieu. Oh, what has light got to do with darkness? Qu'est-ce que la lumière I know a your avec scriptures. Je connais les écritures que vous utilisez. If Jesus is talking about you not touching the unclean. Si Jésus dit de ne pas toucher ce qui est impur. How comes? Comment donc? Jesus was a friend to sinners. Jésus était l'ami donc des pécheurs. Do you think? Vous pensez? Jesus was a friend to sinners. Que Jésus était l'ami des pécheurs. He comes to them. Il vient vers eux. Why are you prostituting? Pourquoi est-ce que tu es prostitué? That's not good. C'est pas bien. You will go to hell. Tu iras en enfer. They will all run away from him. Les gens vont le fuir. He was amongst the drunks. Il était parmi les ivrognes. He will hold them. Il va les attraper. I told you not to drink too much. Je t'ai dit de ne pas boire, non? You didn't hear. Et tu ne comprends pas. I'm sorry. How will you manage your family? Comment today? Tu vas gérer ta famille? And then he will carry the person. Et il va prendre la personne. And leave him in his house. Et il va le conduire dans sa maison. Tomorrow they come again. Demain il revient encore. When they come. Et quand il vient. I told you not to drink. Je t'avais dit de ne pas boire. You see how your wife spoke to you? Tu as vu comment ton épouse t'a parlé? Person say, ah. La personne dira. What you have been telling me is true. Ce que tu es en train de me dire est vrai. We are too hostile. Nous sommes trop hostiles. For the environment God pour has l'environnement dans lequel Dieu nous a mis. We are brutalizing people. Nous sommes en train de brutaliser les gens. Your car. Ta voiture. Touch not. Tu mets sur ta voiture un sticker, ne touchez pas. The anointed of God. Loin de Dieu. À ton lieu de travail, tu. At your job site. À ton lieu de travail. Be careful. Tu mets sur ta porte. Faites attention. Angels on guard. Les anges de Dieu. Les anges me gardent. Are you serious? Est-ce que tu es vraiment sérieux? Tu t'es déjà vendu. C'est vrai. Number four. Quatrièmement. You saw the wolf clothing. Tu portes un vêtement de loup. To appear tough in the system. Afin d'apparaître adéquat au milieu du système. To appear tough. Pour apparaître dur. Aha. So that you can also. Afin que tu puisses, vous savez, les loups également rugissent. Donc, pour que tu toi aussi au milieu du système, tu puisses. Mon frère. Mm. They look at you like that. Les gens te regardent. Grand frère. Okay. You know, meekness. Vous savez, l'humilité. It's having power under control. C'est avoir le pouvoir sous contrôle. It's the ability that you have power you can exercise, but you control. Cela veut dire que tu as un pouvoir que tu peux exercer, mais tu le contrôles.
C'est ça l'humilité. Humility is not the way you walk. L'humilité, ça n'a rien à voir avec comment tu marches. De manière rabaissée, machin. Non, ça n'a rien à voir. Number five. Cinquièmement. You sew with clothing. Tu portes un habit de lourd. To influence and to lead them as one of them. Pour les influencer et les diriger comme faisant partie d'eux. You cannot influence them. Tu ne peux pas les influencer. If you are a sheep. Si tu es un agneau. You are holy. Une brebis. Tu es saint. Why are you a sinner? Pourquoi tu es un pécheur? I didn't see you in church the other day. Tu dis à ton collègue, je t'ai pas vu à l'église la dernière fois. You're backsliding. C'est comme si tu as rétrogradé. Hein? Have you slept with a man? Est-ce que tu as couché avec un homme? Like that, you will not win them. En agissant ainsi, tu ne les gagnes. Tu as très peu de chances de les gagner. To influence a call, hey. Pour les influencer. Send her a text. Tu envoies un texte. Man, you're missing out. Ah, tu me manques. Why have you been all this while? Où étais-tu tout ce temps? Man, I want to come and take you out. Let's go and have some nice chicken and fish. On va aller manger au restaurant. J'ai découvert un nouveau coin de poulet et de poisson. When you get there, quand tu arrives là-bas, don't talk about her sin. Ne parle pas de ses péchés. You know why all your neighbors don't want to come to church? Tu sais pourquoi tous tes voisins ne veulent même pas te suivre à l'église? They hear you pray in the night. On te voit prier la nuit. Father, Père, kill them by fire. Tue mes ennemis. Are we still together? Est-ce qu'on est toujours ensemble? Number six. Sixièmement. You saw the wolf clothing. Vous portez un vêtement de loup. To be a wolf with a different character. Pour que vous soyez un loup avec un caractère différent. Ah, no, you didn't get that one. Non, vous n'avez pas compris ça. In vous n'avez words, pas du tout compris cela. Don't come to the prostitute. En d'autres mots, ne va pas à la prostituée. With a big Bible. Avec une grosse Bible. Come with her with one sexy look also. Viens vers elle avec un habillement sexy. By the time she said, hey, mon pote, comment ça va? Au moment où elle s'identifie à toi et qu'elle te dit, ah, mon pote, comment ça va? Sorry, sir. It's okay. Hello. And you both greet and laugh. Vous riez. Says, man, you don't have any business tonight. He says, oh, no. Oh, c'est comment? Tu n'as pas d'affaires cette nuit? You say, no. Non. Tu vois, la vie, c'est. J'ai réfléchi. Tu vois, j'ai réfléchi à la vie, là. You don't say, I have gone to church. Tu ne dis pas, je suis allé à l'église. You say, You're not talking to me. Tu ne me parles pas. Vous ne me parlez pas ce matin. Hallelujah. Is somebody following what I'm saying? Est-ce que vous comprenez Number ce que seven, le pasteur dit? Septièmement. You sew wolf clothing. Vous portez un vêtement de loup. To inspire. Afin de les inspirer. To bring hope and change. Afin d'apporter de l'espoir et un changement. Most of them don't like the way they are. La plupart d'entre eux n'aiment pas leur vie. Ils n'aiment pas leur vie. They want to see a change. Ils veulent voir un changement. They want to see an example. Mais ils veulent voir un exemple. That's what Jesus. C'est pourquoi Jésus dit. In saving man. En sauvant l'homme. Did not come like an angel. Il n'est pas venu comme un ange. Or one holy man. Il n'est pas venu comme un garçon. I came to save you from all your sins. Je suis venu vous sauver de vos péchés. The Bible says. La Bible dit. Descended. Il est descendu. Took the form of man. Il a pris la forme d'un homme. Was with the drunks. Il était avec les ivrognes. He was with the prostitutes. Il était avec les prostituées. He said, I came to check you the other day. Je suis venu te chercher la dernière fois. I was told you went for business. Et on m'a dit que tu allais pour tes affaires. If we understand these things, si nous comprenons ces choses, we will take Côte d'Ivoire like nous this. Allons prendre la nation. You are too holy for the unholy. Vous paraissez trop saint pour ceux qui ne sont pas saints, ainsi donc ils ne peuvent pas vous approcher. The same you was a prostitute today. When you meet other prostitutes, toi qui étais prostituée avant, aujourd'hui tu rencontres ta collègue diète, tu la rejettes. Why do a lot of people don't want to enter into the world? La raison pour laquelle beaucoup ne veulent pas entrer dans le monde. Number one. Premièrement. They are afraid to compromise and soil their hands. Ils ont peur de se compromettre et de se salir les mains. Tu veux que je rentre dans la politique, pasteur? Hey, pasteur, tu veux que je rentre dans la politique? Je serai encore sauvé là.
Est-ce que je serai encore une chrétienne ou un chrétien? They are afraid. Ils ont peur. Number two. Deuxièmement. They are afraid to backslide and fall from grace. Ils ont peur de rétrograder et de chuter de la grâce. How can light be afraid of darkness? Comment la lumière peut-elle avoir peur des ténèbres? Comment? You are the light of the world. Nous sommes la lumière du monde. And darkness is overpowering your light. Et les ténèbres ne peuvent pas obscurcir ta lumière. Number three. Troisièmement. They fear the difficulty and the challenges in the environment. Ils ont peur des difficultés dans leur environnement. You know, when you know what is happening in politics, you will not even want to enter there. Vous savez, si vous avez une seule simple idée de ce qui se passe à l'intérieur de la politique. When you know what is happening in business, si vous savez ce qui se passe dans les affaires. There are people who kill. Il y a des gens qui tuent. If you will step on their business. Si tu essaies de marcher sur leur territoire, ils te tuent. I deal with petrol. Je traite dans le domaine pétrolier. At times, il arrive de par moments, threaten your life. Les gens vont for 0.02 cent. Ils vont essayer de vous effrayer à cause de 0.05 dollars. Rien que pour ça. Because that is billions. Parce que ce sont des milliards. He will be saying they will kill you. He will say they will remove your name. All type of backstabbing. Ils vont enlever ton nom. Ils vont t'attaquer juste. So when Christians hear those things, donc quand les chrétiens voient ce qui se passe à l'intérieur du monde des affaires, je reste à l'église. C'est bon. Je préfère rester moi. J'attends l'enlèvement. À l'église. J'attends l'enlèvement du Seigneur. Seigneur, viens vite. Tu vas nous prendre. Hello. Number four. Quatrièmement. They are not ready for the high level of competition and, you know, standards. La raison pour laquelle les chrétiens ne veulent pas entrer dans le monde, c'est parce qu'ils ont peur du haut niveau de compétition et de standards. They come to sing. Ils aiment chanter. They come to sing. Ils viennent pour chanter. And when they are singing. Et quand ils chantent. Please don't listen to my voice. Listen to the song. N'écoutez pas ma voix. Hein, écoutez la chanson. Listen to the words. Regardez la parole. Do you see any unbeliever say? Est-ce que vous avez entendu un païen dire des choses pareilles? If you will be a choir, si tu es dans la chorale, I want to put you here, je veux te mettre ici and put Beyoncé here, et mettre Beyoncé ici. Who are we going to buy? Et c'est qui on va acheter sa chanson? Toi et puis Beyoncé, entre nous. We are not ready. Ils ne sont même pas prêts. So we like singing in church. On préfère rester dans la médiocrité. When you finish singing, où on finit de chanter. You are going outside. Vous partez dehors. I say you are going outside. Je dis vous allez dehors. I say you are going outside. Je dis vous allez dehors. You shall change the system. Vous allez changer le système. Number five. Cinquièmement. They are not ready for the demand God puts on them for the standard He wants. Ils ne sont pas prêts pour les exigences du niveau dans lequel Dieu les envoie, les emmène, pardon. He says. Il dit. I send you as sheep. Je vous envoie comme des brebis amongst wolves, au milieu des loups. Mais soyez sages as a serpent, comme le serpent, to accomplish your assignment, afin que vous puissiez accomplir votre mission. Let's look at the wisdom of the serpent. Regardez la sagesse du serpent. Number one, premièrement, the serpent comes unnoticed. Le serpent vient sans être remarqué. If a serpent enters here, si un serpent entre parmi nous maintenant, does he make noise here? Est-ce qu'il va faire un bruit pour dire je suis là. Et puis fait le bruit comme une poule. You got your job the first day. You put Christian CD, your pastor's message. Regardez, on te donne un travail aujourd'hui. Le lendemain, ce qu'on trouve au bureau, c'est la musique chrétienne puis le message de ton pasteur qui embrouille ton patron même qui est un païen. Je veux saturer l'environnement. Et puis tu commences à dire je veux saturer l'environnement. Bien aimé, ces choses peuvent sembler ne pas être spirituelles, mais ce sont des, la sagesse de Dieu. Tu perds ton travail pour des bêtises et tu te dis que c'est le Seigneur qui m'a chassé. C'est pas le Seigneur, c'est toi-même. You said the devil has attacked me. Le diable m'a attaqué. Stupidity. Là, c'est la stupidité. Tu dis, et puis tu commences à dire que s'il me combat parce que je mets la musique chrétienne ou bien je mets les messages de mon Dieu, c'est parce que c'est un occultiste. Are you serious? Est-ce que tu es entre nous? Est-ce que tu es vraiment sérieux? If
if I give you job, even as a Christian. Regardez, le pasteur dit lui-même en tant que pasteur, s'il te donne un travail en tant que chrétien. You're reading your Bible, et si je viens et puis tu es en train de lire ta Bible au lieu de travailler, I sack you. Je vais te renvoyer. I didn't pay you to read your Bible. Je ne te paye pas pour lire ta Bible. Number two. Deuxièmement. It enters and leaves no trace. Le serpent, quand il rentre quelque part, il ne laisse aucune trace. The serpent can live with you. Un serpent peut vivre avec toi. You don't know it has been there for 1 week. Et tu ne sais pas qu'il est dans ta maison depuis une semaine. How do they know you are a Christian? Comment on sait que tu es chrétien? In the meeting, you want to talk. À la réunion de staff, tu amen. Veux parler. Tu, amen. Au milieu des païens, tu lèves, tu dis amen, amen. On dit c'est quoi ça? C'est l'église. On dit mais le gars s'il vient d'où? So I had to develop a word for the Christians. Alors, tu dois développer un nouveau vocabulaire. So each time I go to where Christians are, say positive, they say positive. Quand j'arrive parmi les chrétiens, je dis dites positif, ils disent positif. So as to replace their amen. Afin de remplacer leur amen. So when you say something, quand il dit quelque chose, no, when you say something, quand tu dis quelque chose, and they like it, et qu'ils aiment, they say positive. Ils disent positif. Because when I began bringing Christians in my conferences, quand j'ai commencé à amener des chrétiens dans mes conférences et dans mes séminaires, that were not church not church seminars, ce n'étaient pas des séminaires avec thème à consonance église. So unbelievers are there, Muslims. Il y a des païens, il y a des musulmans. And Christians, yes, amen, amen. Say it again, say it again. Dis encore, prêche, pasteur, prêche. C'est Jesus Christ. Il dit Jésus, ça, il y a quelque chose. On m'a trahi. Seigneur, on m'a trahi ici. So when I come, I say, please put all those your things outside. Je dis, s'il vous plaît, keep all your religious affiliations quand on vient, outside. Laissez votre affiliation like religieuse. On n'a pas besoin par votre affirm par and votre say habillement. Positive. Dites positif. In church, you can say your amen. Your à l'église, tu peux dire amen. C'est pas grave. Mais dehors, dis. Number three. Troisièmement. It hides itself. In the environment. Le serpent se cache dans l'environnement. Green serpent enters here. S'il vous plaît, si on envoie un serpent ici en ce moment même. Green serpent. Un serpent vert. Will he hide where there are red chairs? Le serpent vert ne va jamais se mettre là où il y a une chaise rouge. He will go where there are green flowers. Il va aller se cacher là où il y a des herbes vertes. You will think that is one of them. Tu vas penser que l'herbe c'est le serpent c'est l'herbe. Be wise. S'il vous plaît, soyez sage, dit Jésus. Serpent. Comme le serpent. Are we together? Est-ce qu'on est ensemble? Somebody say, time stop. Quelqu'un dit avançons. No, time stop. Oh, le temps arrêtons, non, on va avancer. Amen. Amen. Number four. Quatrièmement, sagesse du serpent. It conforms to the environment. Le serpent se conforme à l'environnement. In other words, en d'autres mots, it integrates. Il intègre. When your friends are going to drink beer, lorsque tes amis vont boire, don't say, ne dis pas hmm. I don't enter such places. Moi, je n'entre pas dans les endroits comme ça, là, bizarre. Go amongst them. Va au milieu d'eux. Take tonic. Prends à la place du vin une sucrerie. Take water. Prends de l'eau. And when you're drinking, et pendant qu'ils boivent, don't tell them I'm a pastor. Ne dis pas je suis un pasteur. Hein. Are you ready for me? Est-ce que vous m'écoutez? Are you ready? Est-ce que vous êtes prêt pour le pasteur? The challenge we have, le grand défi que nous avons, we have not prepared the Christians, nous n'avons pas préparé les chrétiens, to send them into those environments, afin de les envoyer dans ce type d'environnement. We only tell them, nous leur disons simplement, you don't have to enter, tu n'as même pas besoin d'entrer. So when they enter donc, there, quand ils entrent là-bas, and they know that pastor says they should not enter, et qu'ils ont compris que le pasteur dit faut pas entrer là-bas, they begin to shake, ils commencent à trembler. They are afraid to lose their job, so they ils compromise. De perdre leur travail, donc no, ils se compromettent. God's family, famille de Dieu. We shall prepare you how to enter politics. Family, nous allons vous préparer comment we shall prepare you how to enter into petrol. Comment entrer dans les affaires? Into petrol. Dans into high waters. Le pétrole. Dans les eaux élevées.
So you will not be afraid of them. Afin que vous n'ayez pas peur d'eux. I go back to my house at 2 a.m. in the morning. Il m'arrive d'arriver à la maison, dit l'homme de Dieu, à 2h du matin. I was with guys who were smoking. J'étais avec des gars, des drogués. But you know how much we are talking about? Vous savez de quoi nous parlons? $2 billion. 2 milliards de dollars. We are talking about big businesses. Nous parlons des affaires colossaux. $50 billion. 15 000 dollars. 50 milliards. 50 milliards, pardon. You're not getting what I'm saying. You're too spiritual. Tu es trop spirituel. Even when you arrive there, you're... Même quand tu es en train de conduire, même, ta démarche même est spirituelle. Tu es au feu même, on dirait que tu es un ange. When you come there twice, they'll say, le type, si la façon qu'il fait, tu es un born again. Quand tu vas venir deux fois devant le trône, on te regarde et dit, mais toi, tu es dans quelle secte? But there's a way, you know, you walk with them. Vous savez, il y a une manière de marcher avec ça. Pourquoi tu prends la bière? Tu ne vois pas que ça te détruit. Tu vois, regarde, tu es en train de... C'est que tu fumes là. Tu vois pas que ça te détruit. You feel what I'm saying? Just normal life wisdom. Juste une sagesse simple et normale de vie. Integrate the system. Intègre le système. I see people create political parties. Je vois des gens créer des partis politiques. Christian political party. Et puis le nom du parti, c'est parti politique chrétien. A party is not Christian. S'il vous plaît, un parti n'est jamais chrétien. Christian University. Université chrétienne. A university is not Christian. Une université là, elle n'est jamais chrétienne. Can I shock you? Est-ce que je peux vous you choquer? You were not sent to the Christians. On t'a pas envoyé vers les you chrétiens. You were sent to the world. On t'a envoyé vers le monde. Package that education. Emballer cette éducation. Raise the standard. Élever le standard. Let the Muslims come and que les musulmans come and study. Viennent en étudier. By the time they enter, they are Muslims. Au moment où ils viennent en tant que musulmans. But when they go out, they become Christians. Et qu'ils retournent en tant que chrétiens. But once you put the etiquette, once you put the name, quand vous mettez Christian le nom, El Shaddai University. Université chrétienne El Shaddai. The Muslim sees it. Les musulmans. Kawalai. Kawalai. I have too much to say. Number five. Cinquièmement. The wisdom of the serpent. La sagesse du serpent. The serpent studies its prey. Le serpent étudie son environnement. No, the prey. Sa proie, pardon. It studies it. Le serpent est là, il étudie sa proie. How does it function? Comment il fonctionne? What is the strategy? Quelle est la stratégie? Before you enter the political system. Avant d'entrer dans un système. Study politics. Étudie bien le don't milieu. Don't just go with speaking in tongues. Ne va pas juste en parlant en langue. Know how it functions. Regarde comment ça fonctionne. Begin to study. Commence à étudier. And you're looking. Et tu regardes. How do we bring this big giant down? Comment fais-je tomber ce géant? God will grant you understanding. Dieu vous donnera la compréhension. Number five. Cinquièmement. Number six. Numéro 6. The serpent never shows its fear. Le serpent ne montre jamais sa peur. Have you ever seen a snake that is showing its fear? Vous avez vu un serpent qui a démontré qu'il a peur? As you come, he lifts up his head. Hey. Dès que vous arrivez, le serpent lève sa tête. You have to be strong in the system. Vous avez besoin d'être fort à l'intérieur. They came to arrest Jesus. On vient arrêter Jésus. And he says. Et il dit. Go tell that fox. Allez dire à ces. I preach today. I preach tomorrow. J'enseigne aujourd'hui. Je prêche aujourd'hui. J'apprêche demain. The man is so strong. Le gars est tellement sûr de lui. They came to arrest the disciples. On vient arrêter les disciples. Stop this thing. Arrêtez ceci. He says we can't stop. Il dit on peut pas arrêter. They are so confident in it. Tellement confiant. You must show, even when you are afraid behind. Même quand vous avez peur à l'intérieur, there derrière, are meetings you enter. Il y a des réunions où vous apparaissez. You see only occultic people. Vous voyez simplement, vous voyez des gens occultes. And fear wants to come. Et la peur veut naître en vous. Just tell them, say, excuse me, please. Dites excusez-moi, let me use the restroom. Je veux utiliser les toilettes. You go inside. Vous allez à l'intérieur. Vous allez vous charger. Quand tu finis, tes yeux sont rouges. Come back in the meeting. Tu reviens à l'intérieur de la réunion. Everything is under control. Tout est sous contrôle. But you didn't speak in tongues in their midst. Mais tu n'as pas parlé en langue au milieu d'eux.
I know you will quote me scriptures. Je sais que vous allez me donner vos écritures bizarres là. Oh. Jesus says, Jésus those that believe in me. Ceux qui croient en moi. They shall speak with new tongues. Ils vont parler de nouvelles langues. Number one. Numéro un. Paul says when you speak in tongues. Paul dit quand tu parles en langue. You edify yourself. Tu t'édifies toi-même. Not us. Pas nous. Number two. Numéro deux. He says when you come to church. Dit quand tu viens à l'église. You speak in tongues when the pastor asks. Tu parles en langue quand cela t'est demandé. Or when there's interpretation. Ou quand il y a une interprétation. If there's no interpretation. S'il n'y a pas d'interprétation. Keep quiet. Tais-toi. So how can Jesus? Alors comment Jésus? Ask you to go outside to go speak in tongues. Aller dehors et te dire va parler en langue. When in the church there's only a control. Il y a un ordre. He sends you to politics to speak in tongues. Il t'envoie donc dans ce domaine. That's why he said, en langue. You shall speak with new tongues. Il dit vous parlerez de nouvelles langues. What does that mean? Qu'est-ce que cela veut dire? When you get into a country, lorsque vous rentrez dans un pays, what's the first thing you learn? Quelle est la première chose que vous apprenez? Their language. Le langage. So when you get into politics, alors quand vous rentrez en politique, you need to speak a new tongue of politics. Vous devez parler le nouveau langage de la politique. So you carry the kingdom of God. Alors vous prenez le royaume de Dieu. And you release it through the language they understand. Et vous l'exprimez dans un langage qu'ils comprennent. Number seven. Septièmement. The serpent always rejuvenates itself to develop more strength. Le serpent se change le corps. Change de peau. Quelle est l'expression peau, française? Oui. Il mue pour to gain strength. Pour avoir plus de force. Since you left university. Depuis que tu as quitté l'université. When was the last time you went for a seminar or a conference or you went to study? Entre nous, depuis quand tu es allé à une conférence ou bien à quelque chose pour te recycler ou bien pour te former à nouveau, depuis que tu as quitté l'école là. That's why you are not effective. C'est pourquoi tu n'es pas effectif. When they want to choose somebody in the company, they can't choose you. Quand on veut choisir quelqu'un dans la société en compagnie, on peut pas te choisir. Because all you have is licence in. Parce que tout ce que tu as, c'est licence en linguistique. You study things that are useless. Tu as étudié des choses qui ne sont pas importantes. Change your, tell somebody change your skin, change your. Dis à quelqu'un change ta peau, change ta peau. Go back to school. Retourne s'il le faut à l'école. Build yourself. Bâtis-toi. Number eight. Huitièmement. It never prays what is bigger than it. Il ne mange jamais. Okay? Il ne consomme pas. Il n'attaque pas une proie qui est plus grande que lui. Hello. Know your level. S'il est bon de connaître son niveau. Don't come and make us to pray for prayers. Let's pray that you should become the director. When your level is secretary. Regarde. Ne rentre pas dans une entreprise et puis tu dis, pasteur, priez pour moi que je devienne le PDG de la société, quand toi-même tu sais que ton niveau là, c'est secrétaire pour le moment. They say you shall be the director. Amen. Le pasteur maintenant vient prophétiser sur toi, t'embrouiller ta tête. Tu seras le directeur et puis tu réponds Amen. The prophecy is released. La prophétie est libérée. But the capacity to fulfill. Mais la capacité afin d'accomplir cette prophétie. You have to develop. Tu dois la développer. The wisdom of the serpent. La sagesse du serpent. You will never pray what is bigger than you. Tu ne vas pas poursuivre. Enfin, tu ne vas pas vers une proie qui est plus grande. Your vision can be big. Ta vision doit être grande. But your hands also must be big. Mais tes mains également doivent être grandes. Number eight. Huitièmement. Or number nine. Ou neuvièmement. It shows its strength and capacities. Il montre sa force et sa capacité. Listen to me. Écoutez-moi. You must have enough capacity. Vous devez avoir plus de capacité. So that when somebody wants to try you. Afin que quand quelqu'un veut. In your domain of professionalism. Dans votre domaine professionnel. You remove all your CVs. Vous sortez votre curriculum. To show when you attack a snake. Lorsque vous attaquez un serpent, it comes out, psh, il vient. Psh. It's like, don't try. He open a mamba or a cobra will lift up his head. Il lève sa tête. The wisdom of the serpent. La sagesse du serpent. What do you have to show? Qu'est-ce que tu as à montrer? What do you have to show? Qu'est-ce que tu as à montrer? One of my daughters told me. Une de mes filles m'a dit. When I finish my education, lorsque j'ai fini
mon éducation, l'école. I will see what to do. Je vais voir ce qu'il faut faire. I said, so you will do masters? She je said dis, yes. Tu vas faire une maîtrise? Elle dit oui. You have doctorate? She said tu yes, un doctorat? Daddy. Oui, papa. I said then you look for a job. Dit, he said, ah, papa, tu as un esprit, Tu as un esprit. I said after that then you will get married. Et après tes études, après ton. And then you have two children. Tu auras deux enfants. With a car and a house. Une voiture, une and maison. And a passport to travel abroad. Et un passeport pour voyager. Hey, daddy. Il dit, daddy. Si Dieu me bénit comme ça. Si Dieu m'a béni comme tu dis là. Ah. Il sera accompli. Je serai accompli. I said you are a virus. Je dis que tu es un virus. I know what we do with virus. Vous savez ce qu'on fait avec un virus? We delete. On supprime. All your vision is for yourself. Toute ta vision c'est pour toi-même, toi-même. Ma maison, ma voiture, mon passeport, mes voyages, moi, mes deux enfants, mon mari, ma femme, moi et moi. It will not be so with you. Ce ne sera pas ainsi pour toi. I say it will not be so with you. Je dis ça ne sera pas ainsi pour toi. Number 11. Or number 10. Dixièmement. It faces its adversity and challenges. Il fait face à ses adversaires et il les défie. Don't run away. Ne cours pas. Stay there. Ne fuis pas. Reste. The system is difficult. C'est dur. But you have the capacity. Mais tu as la capacité. Greater is he that is in you. Celui qui est en toi est plus grand than he that is in the que world. Celui qui est dans le monde. Don't run away. Ne cours pas. Stay in that place. Reste dans ce lieu. Stay in that place. Reste dans ce lieu. When you enter a job, lorsque tu entres dans une you assemblée, may enter as a gate man, tu peux entrer comme le portier. Target, mais ta vision is to become the PDG. C'est de devenir le it président directeur général. Ça peut être difficile. But stay there. Mais reste là. Pursue the vision. Poursuis la vision. Until you arrive. Jusqu'à ce que don't tu arrives. Don't give up. N'abandonne don't pas. Run away. Ne cours pas. Don't say pastor. Ne dis pas pasteur. Je vais quitter le pays. C'est difficile. It's le difficult. Pays ici a des dents. This country have teeth. C'est seulement toi que ça croque. Is it only you? Hello. Hello. Number 11. Onzièmement. It comes to pray and not to play. C'est le temps de. No, it comes to pray to pray. Il vient not pour to play. Il vient pour saisir sa proie et non pas pour jouer. God is sending you there as a mission field. Dieu t'envoie dans ton domaine comme un missionnaire. Not a joke. Non pas un blagueur. You are not there for a salary. Tu n'es pas là pour un salaire. You are there to take over that domain for God. Tu es là pour prendre et influencer ce domaine pour you're Dieu. You are there to swallow that domain. Tu es là pour avaler ce domaine. So that you can fulfill the Bible. Afin que tu puisses accomplir la parole the Bible de Dieu. Says what? Est-ce que je peux the vous dire? The kingdoms of this world. Le royaume de ce monde. Les royaumes. Les royaumes de ce monde. Has become the kingdom of our God. Sont devenus les royaumes de notre Dieu. And his kingdom. How? Son royaume. You have taken over the system and you have brought to God. Vous prenez le système que vous emmenez à Dieu. You have taken over the political system. Vous prenez le système politique. The judicial system. Le système judiciaire. You have taken over the system. Vous prenez le contrôle absolu du Number système. 12. Douzièmement. It stings, kills and eats its prey. Il saisit, tue et mange sa proie. You are not there to get a job. Vous n'êtes pas là juste pour être un employé. You may enter the company. Vous pouvez entrer dans la compagnie. God's mind. La pensée de the Dieu. The reason why he has put you in that company. La raison pour laquelle il t'a mis dans cette compagnie. Is to own that company. C'est pour devenir le propriétaire. Pour en devenir le propriétaire. You may enter that political party. Vous pouvez entrer dans ce parti politique. The mind of God. La pensée de Dieu. Is to give you your nation. C'est pour vous donner plus tard la nation. Whatever be the domain, quel que soit le domaine, God has put you there. Dieu vous a mis là. As the solution, comme une not solution, a problem, et non un problème. You have what it takes. Vous avez ce qu'il faut. To bring a change. Pour apporter un changement. You have what it takes. Vous avez ce qu'il faut. To be the answer. Pour être une réponse. I want you to stand on your feet. Je voudrais que vous teniez debout. Taking over systems. Pr-
prends le contrôle des systèmes. This is just part one of it. I have much to say. C'est juste une partie, les autres parties peuvent se retrouver dans les CD qui sont en vente. You have capacity. Vous avez la capacité. There's something on the inside of you. Il y a quelque chose à l'intérieur de vous. Will you keep quiet and leave Côte d'Ivoire ruin? Est-ce que vous allez vous taire et laisser la Côte d'Ivoire ainsi? Will you keep quiet? Est-ce que vous allez vous taire? And see the walls of the society. Et vous voyez le monde de la société. Falls down. Chuter, tomber. Will you just look for a job or you will go inside as an assignment? Est-ce que vous allez toujours chercher un emploi ou aller là-bas comme un devoir? Will you be the agent that God is sending? Est-ce que vous serez un agent que Dieu envoie? God is looking for an agent. Parce que Dieu recherche un agent. Somebody he can send. Quelqu'un qu'il peut envoyer. As a spy. Comme un espion. To go take over the system. Afin de posséder le système. You are a sheep. Tu es une brebis. In wolf clothing. Qui porte un vêtement de loup. To win the wolves. Afin de gagner les loups. To change the wolves. Afin de changer les loups. Your mission is enormous. Ta mission est ceci. Est grand. Est grande. Goes beyond the church. Et ça va au-delà de l'église. I want to pray for you. Je vais prier pour toi. Are you ready to tell God, Father? Est-ce que tu es prêt pour dire à Dieu, Père? If you will send anybody, si jamais tu dois envoyer quelqu'un, I am ready for you. Je suis prêt pour ça. I want to take over that domain of medicine. Alors je veux, par exemple, parler du domaine de la médecine. Give me the idea how to come out with vaccines for HIV/AIDS. Donne-moi les idées, par exemple, comment créer un vaccin contre le sida. Because if you have that idea, parce que si tu as cette idée, the world will listen to you. Le monde va t'écouter. I want to come out with vaccine for malaria. Je veux fabriquer, créer un vaccin. God has the solution. Pour le paludisme, faut pas demander des solutions. God has the solution. Dieu a les solutions. And he's looking for somebody to send with. Et il recherche quelqu'un afin de lui donner ces solutions. Can you be that vessel? Est-ce que tu peux être ce canal? Or all you're waiting for? Ou bien tout ce que tu attends? Lord, Seigneur, I need a husband. J'ai besoin d'un mari. I need a job. J'ai besoin d'un emploi, un boulot. Trust me. Faites-moi confiance. God will give you a husband. Dieu va te donner un mari. He will give you a job. Il va te donner un boulot. But you will not enter into the list of his agents. Mais tu ne rentreras pas dans la liste de ses agents. People he can send. Des gens, des personnes qu'il peut envoyer. When they raise an agent, quand on suscite un agent, they make sure the agent has what to eat, where to live, passport, everything you're looking for. On s'assure que l'agent a toutes les provisions qu'il cherche. But if you're looking just for that, mais si tu recherches juste cela, they give you. On te donne juste but la you're portion. Not the, you're not part of the people God will use to et bring tu n'es the pas change. Partie intégrante des personnes que Dieu suscite comme agent. I want you to close your eyes and think about it for 1 minute. Et je veux que tu fermes les yeux, que tu puisses penser à cela une seule minute. Lord, I want to seek your kingdom. Seigneur, je veux rechercher ton royaume. What you want to do? Qu'est-ce que tu veux faire? Close your eyes and pray for yourself. Ferme tes yeux et prie pour toi-même. If you will become a kingdom agent, the first people that God will recruit. Si tu deviens un agent du royaume de Dieu, les premières people personnes who want to identify with the kingdom of God. Les premières personnes que tu vas recruter, ce sont les personnes qui vont s'identifier if à le royaume de Dieu. If you've never given your life to Jesus. Si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. God can't use you. Dieu ne peut pas t'utiliser. If you don't know this king, si tu ne connais pas ce roi, this is an opportunity to become the agent that God will use. Voici donc une opportunité que tu deviennes un agent que Dieu va utiliser. I want to pray for you if you want to give your life to Jesus. Je vais prier pour toi si tu veux donner ta vie à Jésus-Christ. Just lift up your hands if you want to give your life to Jesus. Juste lève la main là où tu es. I want to give my life to Jesus. Là où tu es, lève ta main. I want to become a special agent for Jesus. Tu veux dire à Dieu, je veux devenir un agent spécial pour le royaume. With a bold step of faith, I want you just to come out. We'll pray for you. Avec un acte de foi, je veux que tu viennes devant. On va prier pour toi. Viens devant. Father, I want to become wise as a serpent. Oh Père, je veux devenir sage comme un serpent. But I first of all need to give my life to you. Mais premièrement, j'ai besoin de donner ma vie à toi. So if you have not given your life to Jesus, just come ahead. Si tu n'as pas donné ta vie à Jésus, viens devant. Come ahead, come climb here. Viens, viens devant, viens. Venez devant. Climb ahead, clap for them, clap for them, climb. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour leur vie? Clap, celebrate God for them. Est-ce qu'on peut célébrer Dieu climb pour leur vie? Up, climb up. Venez, venez, montez, montez, montez. Montez. Maman, viens. Viens, c'est bien. God wants to use you. Dieu veut t'utiliser.
Your life is in the hands of God. Ta vie se trouve entre les mains de Dieu. I celebrate God for you because you're the next people that will shake Côte d'Ivoire. Parce que vous êtes les prochaines personnes qui vont faire bouleverser la Côte d'Ivoire. God will use you mightily. Oh, Dieu va vous utiliser puissamment. Say with me and everybody, let's say Lord Jesus. Dites avec moi et puis que tout le monde répète avec moi, dites Seigneur Jésus. Today, aujourd'hui, I recognize you. Je te reconnais. As my Lord, comme mon Seigneur, and my Savior, et mon Sauveur. I give my life, je donne ma vie, to you, à toi. I submit, je soumets, to your kingdom, je me soumets à ton royaume, and to your agenda, et à ton ordre du jour. In the name of Jesus, dans le nom de Jésus, it is well with you. Your confession is permanent. Your declaration is permanent. Votre confession est permanente. Votre déclaration est permanente. Je te donne. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. Somebody wants to talk with them. S'il vous plaît, rejoignez la circle. Chaque fois que je me lève, tu viens régner en moi. Je te donne, je te donne tout mon cœur. Je te donne mon âme. Je te vis. Écoutez-moi. Côte d'Ivoire, there is a season coming over your nation. Alors la Côte d'Ivoire, il y a une saison sur votre nation.